Bon, salut à tous. Aujourd'hui, on va essayer de réparer une Game Boy Pocket. Game Boy Pocket, en fait, qui ne s'allume pas. Donc, elle n'est pas en super état, hein. Elle est bien abîmée quand même. Je pense que je vais commander une coque et puis on va changer tout ça par la suite. On va déjà mettre des piles. On va bien voir. Absolument rien qui s'affiche. Enfin, en même temps, là vous verrez pas grand chose. Trouver le bon angle, mais c'est pas facile. C'est rien du tout. Bon, on va essayer. Ben, on va la démonter de toute façon. Pour la démonter, il faut un tournevis Tri-Wing. On va rapprocher la caméra. Ça à côté. Le bouton power accroche un peu quand même. Le bouton power accroche un peu. On va nettoyer.
C'est déjà mieux. En tout cas, la PCB elle est propre, c'est pas mal. Une bonne nouvelle. On va démonter le reste. On va démonter le reste. Ça va me permettre en même temps de nettoyer les connecteurs des touches. Trois vis classique, un Philips. Et ensuite, on va enlever la nappe. J'aurais pas besoin de tirer l'écran, je pense pas. On va nettoyer les petits pads hein, à l'occasion. Donc on y est. De caoutchouc en fait à l'intérieur, les petits pads noirs qu'on peut voir ici aussi, les petits pads noirs en fait qui font contact sur la PCB pour envoyer la commande. Bon, elle est pas sale du tout hein. Ça c'est une bonne nouvelle, quoique les pads sont un peu dégueulasses. Faire la même chose sur la carte. Il faut pas de mal. Parleur, même si le haut-parleur il est quand même propre. Putain, elle est en bonne condition, ça c'est pas mal. Bon, j'ai pas d'adaptateur secteur pour tester sur le secteur, donc je sais pas si ça fonctionne ou quoi. D'accord, le haut-parleur il tient dans le vide. Ok. Il n'y a pas de traces d'oxydation non plus sur les ports de pile, c'est pas mal. Des fois, un simple nettoyage ça suffit à la refaire démarrer. On va remettre ça.
Ah, ça en est un. Hop. Des fois, les gens mettent leur console HS alors qu'en fait, il y a juste la démonter, la nettoyer et c'est reparti. Celle-là, si elle marche pas, je vois pas d'où ça vient. On va bien voir. Elle est propre, hein, j'insiste pas à, comment à contrôler si si toutes les pistes sont bonnes, hein, un café d'œil comme ça c'est correct. C'est correct, bon, la nappe permise, petit bouton power, pas oublier. Voilà. Je vais remettre la coque. Hein. Écoute. Bon, on essaye. Cache-pile. On va rapprocher la lumière. Et voilà, ça marche. Je sais pas si on verra bien du coup. Bon, c'est une Game Boy Pocket, hein, donc c'est noir et blanc. C'est la version slim de la FAT, quoi. Ouais, ça marche impeccable. Bon, bah voilà. Bon bah voilà, console réparée.